Good morgen, Aleiden, les tutors aujourd'hui, le Lunishmat, Mori Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Sarah Batran Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah, Boris Moshe ben Sultana, Moshe Michael ben Machlouf, ainsi que le Fouad Sarah bat Beti Rivka, Rafael Zulun ben Chaya Malia ben Dor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Menachot, Perek Yud Gimel, Mishnah Zayin. Are alai toda ushlamim, Yavi Keves. Perashti min habakar ve eni yoder ma perashti, yavi par ou para, egel ve egla. Min abehema ve eni yoder ma perashti, yavi par ou para, egel ve egla, ail ve rachel gedi ou gdiya, ve sa'ir ou se'ira taleut ve talia. On continue le sujet qu'on a depuis le début du chapitre. Quelqu'un qui exprime un vœu d'apporter quelque chose au Beit HaMikdash, mais qui ne précise pas quelle quantité. Or, la Torah lui laisse un éventail d'options. Qu'est-ce qu'il devra apporter? Selon la règle, il doit apporter toujours le minimum requis. Et si toutefois, il se souvient qu'il a précisé quelque chose, mais qu'il ne se souvient plus duquel, alors il devra apporter toutes les espèces, comme ce qu'on a déjà vu longuement. Et du coup, on est en train de passer en revue tous les korbanot, selon les options que l'on a. On avait parlé dans la Mishnah précédente de la Ola, que la Ola, elle vient toujours des mâles, un mâle, et pas une femelle. Tandis que cette fois-ci, on va voir Aralai Toda ou Shlamim. S'il a fait le vœu d'apporter un korban Toda ou un korban Shlamim. Korban Toda, c'est celui qu'on apporte avec les 40 pains. Et pour reconnaître essentiellement, parce qu'on a eu Hachem, il nous a sauvés d'une situation difficile, on doit apporter un korban Toda, et à part ça, le Shlamim, quelqu'un qui veut juste apporter un korban, une offrande Hachem, sans... et manger de la viande ensuite au Beit HaMikdash, à Yerushalayim en fait. Alors, il a cette fois-ci l'option d'apporter mâle et femelle, et les trois familles de bétail, c'est-à-dire pour le gros bétail, les vaches, les taureaux. Et menu bétail, on a la famille des chèvres et la famille des moutons. Et chaque fois, mâle, femelle, adulte et enfant. Donc ça va faire 4 x 4, 12. C'est ce qu'on va voir dans toute la Mishnah. On commence pour le moment dans doucement, en effet. Are alai toda, celui qui fait le vœu d'apporter un korban toda. Ou shlamim, ou un korban shlamim. Yavi keves, il apportera au mini, le minimum requis. C'est un keves, un mouton, c'est le moins cher. D'accord, de la famille des moutons. Ensuite, Perashti, Mina Bakar, Veniodama Perashti, il se souvient qu'il avait fait un vœu d'apporter de la famille du gros bétail, des bovins, mais il ne se souvient plus de quoi. Alors la Mishnah nous enseigne de nouveau, Yavi Par ou Para, Egal Ve Egla, il devra apporter un taureau et une vache adulte, et un Egel et une Egla, et un veau et une génisse. Je crois que ça s'appelle. D'accord ? Et la famille apporte les quatre options. Bien sûr, il faut préciser que ça va de nouveau, selon Rabbi, je ne l'ai pas vu écrit cette fois-ci, mais je pense que ça va être comme dans la Mishnah, ça doit être comme dans la Mishnah précédente, que, voilà, c'est Rabbi écrit dans le Tosot Yom Tov, Gamken Dat Rabbi, ça va aussi selon l'avis de Rabbi uniquement, que lorsque je fais un vœu d'apporter, le Rabbi, on va le voir dans la prochaine Mishnah en fait, mais on le traite déjà depuis deux Mishnayot en arrière, que lorsque je fais un vœu d'apporter, imaginez que je fais un vœu d'apporter un bovin mâle. Donc j'ai deux possibilités, soit le veau, soit le taureau. Rabbi, lui, nous dit que, écoute, veau et taureau, c'est pas la même chose. C'est deux espèces différentes, ça a deux noms différents. Donc si c'est l'un, si de toi tu as fait le vœu d'apporter un veau, tu ne t'acquittes pas en apportant un taureau, même si c'est plus. Tandis que Chachamim vont nous dire non, il n'y a pas de différence entre un veau et un taureau, c'est la famille des pars masculins, il n'y a pas de différence, donc quand tu vas apporter un taureau, tu t'acquittes aussi de ton vœu d'apporter un veau, si toutefois tu as prononcé ton vœu en disant le veau. D'accord ? Donc, je reprends. La Mishnah, elle va d'après Rabbi qui nous dit qu'on sépare ça en fait en quatre options. Tandis que d'après Chachamim, on n'a que deux options, mâle ou femelle. Selon Rabbi, il y a mâle, femelle, adulte et enfant. Donc, Perashti mina bakar, j'ai explicité que j'allais apporter mina bakar, des bovins. Veni yodea ma perashti, mais je ne me souviens plus quelle espèce des bovins j'ai dit, je me suis engagé d'apporter. Alors yavi par ou para, il devra apporter un taureau et une vache. Egel ve egla, un veau et une egla, une génisse. D'accord ? Un veau femelle.
Mina behema veni yodea ma pirachim. Maintenant, c'est plus compliqué. Il a dit, l'ami, qu'il ne voulait pas apporter un bovin. Il a dit que j'allais apporter un korban toda ou shlamim. J'ai précisé quel type d'animal j'allais apporter, mais je ne me souviens plus lequel. Donc, selon Rabbi, pour chaque espèce qui sont les taureaux, les vaches, la famille des vaches taureaux, la famille des moutons et la famille des chèvres, chaque fois, 4. Donc ça va nous faire 12 options. Et c'est ce que la mission nous dit. Donc, Mina Behema, j'ai explicité que j'allais apporter Mina Behema, des animaux. Veni Odama Perashi, mais je ne me souviens plus lequel j'ai explicité. Yavi Par Upara Egel Veegla. Donc on est dans la famille des vaches, avec un taureau, une vache, un veau et une génisse. Aïl Verachel Gedi Vegdiya. Là, on est passé dans la famille des moutons. Donc ça nous fait un bélier et une brebis. Gdi ou Gdiya. Alors là, j'ai un problème. Parce que Gdi ou Gdiya, là, ça s'est un peu inversé. J'ai pas fait attention quand j'ai préparé ma Mishnah. Parce que Aïl. Ben, je sais pas comment ça s'arrange. Parce que pour moi, Gdi ou Gdiya, je suis persuadé que c'est la chèvre et le chevreau. Ez miyom lamed alef. Et alors, attendez deux petites secondes. Même alef. Qu'est-ce qu'il me précise ici? Regardez, on va céder du Barthes Noir. Je me suis un peu perdu dans l'histoire. Parce que Aïl Verachel, on parle cette fois-ci de la famille des béliers. D'accord? Bélier et Rachel, c'est celle qui fait de la laine, quoi, enfin la famille des moutons. Mais après, quand il me précise Gedi ou Gdiya, il me précise Rashi, il y a un problème. Gdi ou Gdiya, on est tombé cette fois-ci dans le chevreau et la chèvrette, je crois que ça se dit. Et après, on continue avec Sa'ir Veseira. Là, on parle du bouc et de la chèvre. Et Talé Vetalia. Non, mais je ne me suis pas trompé dans la traduction. Il y a vraiment quelque chose de bizarre dans cette Mishnah, c'est qu'on ne les a pas mis dans l'ordre. Ah, ben voilà. Tout ce symptôme, il s'occupe du problème. J'ai préparé la Mishnah en pensant que tout était facile, donc j'ai préparé ça très vite fait. Puis j'avance avec vous et je découvre que j'ai mal préparé ma Mishnah. En fait, voilà, je remarque qu'il y a le Tosafot qui soulève le problème. Là, vous avez compris ce qui se passe. Bon, succinctement, c'est très rapide, c'est très simple. Il y a la famille des moutons, la famille des chèvres. Dans les moutons, il y a la mâle-femelle et chez les enfants, mâle-femelle, et dans la famille des chèvres aussi. Le problème, c'est que la Mishnah, elle les a entrecroisés de manière illogique. À Il Verachel, on parle de la famille des moutons. Ensuite, Gidi ou Gidia, on est passé dans la famille des chèvres enfants. Et après, Saïr Veseira, on parle des chèvres adultes, mâles femelles. Et puis après, Etalev et Talia. Et là, on est repassé cette fois-ci dans le Talé et Talia. On est passé dans les moutons enfants. Donc il y a un problème, c'est mal organisé. Et sur ça, je constate qu'il y a le Tosotium Tov qui me dit Ked Girsat Rav, Aval Ba Mishnah Shebagma, Garsinan Saïr Veseira, Kodem Gidi ou Gidia. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est mieux organisé. Il fallait inverser. Vous prenez Gdi et Gdiya et Saïr Veseira, vous les inversez, vous mettez Saïr Veseira. Et en fait, on parle des 4 adultes et après des 4 enfants, en disant à chaque fois, chez les adultes, je te propose d'apporter la famille des moutons et la famille des chèvres. Et après, dans les enfants, tu continues en disant les chèvres et les moutons, mâle femelle, au moment on les a mieux classés, c'est ce qu'il propose le Barthes Noir qui nous dit que c'est comme ça que dans la Gemara, si vous ouvrez la Gemara. En rapport avec cette Mishnah, qui se trouve, je ne sais pas où exactement, Daf, je ne sais plus combien, Daf Kuvzein Amud Bet, dans Menachot, vous allez voir que là-bas, la Mishnah propose une autre version qui est un peu plus mieux, en tout cas pour nous. C'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une pleine d'Atzlacha Kol Tov Vusar.